Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour Sonic Lost World, la deuxième partie. En fait, j'ai un peu réfléchi et je pense que je vais juste vous faire deux parties de ce jeu-là. Parce que je préfère vous faire un vidéo test à la fin. Ah, ça charge. Et comme vous voyez, on est toujours en duo au monde 2. Hein. Bon, là, ça rame vraiment. D'accord. Je comprends pas trop l'histoire des Wisps hein, par contre qui apparaissent. Ah, et maintenant il veut absolument que. Aïe. Il veut absolument me donner un truc à. On sait où. Je comprends rien au niveau des objets de toute façon. Comment ça marche. Donc on était rendu à ce niveau là, la ruche. Alors, on va faire une partie normale. Toi, le gros lard, va donner une leçon à cette petite taille bleue. Hé hey, qui c'est que vous appelez gros lard? Toi. Bon, dépêche-toi d'anéantir Sonic et je te donnerai un sandwich encore plus gros que celui-là. Mon Dieu, sandwich. Oh, je suis pas aidé. Voilà, on commence le niveau. Oula, c'est. Ça speed déjà là. Pas trop où on est. Ah ok, là faut carrément. Je pense qu'il faut bouger. Ah non, il y a non. Pas besoin de bouger le gamepad. J'ai cru qu'il fallait bouger le gamepad, mais non. On le fait juste avec le stick. Bon. Par contre, je comprends pas trop ce qu'il y a sur le gamepad. Ah si, ça nous montre qu'on est rendu dans le niveau, mais j'ai regardé le gamepad et je suis mort. Donc en fait, ça sert à rien. J'arrive pas à faire le... Ah ouais. Vraiment, je m'entraîne à faire les homing attacks. Hop là, il y a un ennemi qui nous balance de... D'accord. Ah, c'est speed, là. Voilà un niveau assez speed. Là j'ai plein de fois sur le bouton A pour pouvoir avoir ce cheminement d'abeilles. Décidément j'en fais des jeux qui vont dans tous les sens en ce moment. Donkey Kong Country, celui-là. En plus il a l'air vraiment quand même bien ce Sonic. Ce qui paraît c'est un des meilleurs Sonic. Bah, il est considéré comme l'un des meilleurs Sonic 3D. Avec les aventures avant. Mais bon, pour l'instant je suis pas du tout déçu. Hein. Je trouve que les niveaux bah, ils s'enchaînent, ils sont intéressants. Bon, il y avait peut-être le niveau. Après, il y avait peut-être le niveau du désert qui était moins bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe. Par contre, c'est bizarre les décors, hein. Je trouve ça assez spécial. Tu te fais exprès. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais sinon, moi, je préférerais vous faire après ces deux petites vidéos découvertes, en gros, du jeu. Et puis après, je préférerais vous faire des vidéos, un vidéo test sur ce jeu-là.
une bonne review pour bien conclure. Allez. Pour bien conclure ce jeu. Parce que moi j'ai plus envie de le faire seul et admirer la bande son parce que j'ai bien aimé le premier thème. Les premiers niveaux là. Enfin, c'est d'ailleurs aussi le thème du titre. Par contre je fais que perdre. Heureusement il y a des checkpoints. Il y en a quand même pas mal. Bon, heureusement ils n'ont pas trop abusé comme dans Rayman, parce que dans Rayman il y avait des checkpoints toutes les 2 secondes. Donc, c'est dur ce passage là. Surtout au stick. Hein. Bon, peut-être qu'on peut faire avec la. Enfin, je pense pas qu'on peut faire avec la croix, non. Ah, dommage. Parce que les jeux de plateforme ça se joue avec la croix. Hein. À chaque fois je glisse. Alors peut-être qu'il faut. Ah, juste droite, gauche, il court quand même. J'ai cru qu'il courait que quand on avançait, enfin quand on mettait le stick en avant, mais non. Ah, mais c'était ça, peut-être que ça va être plus simple comme ça. Ah, c'est plus simple. Attention! Ah, et aussi, je sais pas si vous avez remarqué certaines de nos vidéos. Enfin non, même la plupart, eh ben, on a un problème, des fois la vidéo lag, on sait pas pourquoi. Enfin, y a moins d'images par seconde. Mais... En fait ça c'est un petit problème, c'est quand je compresse avec Movie Maker. Donc à partir de maintenant, je pense que je préférais le faire avec, avec Sony Vegas Pro. Sauf si, bien sûr, la vidéo est bien lourde, comme ce personnage. Si elle est bien... Il y a beaucoup de gigas quoi. S'il y a 5 gigas là, bon, faudrait quand même réfléchir. Vaut mieux faire avec Movie Maker parce que Movie Maker ça compresse très bien et c'est très bien pour ceux qui ont une connexion de merde comme moi. Et parce que Sony Vegas Pro ça compresse pas du tout, c'est juste que ça fusionne en gros quand je mets l'intro de la vidéo. Je peux la mettre avec la vidéo quoi, en elle-même. Je vais les fusionner pour que ça en fasse une vidéo. Mais ça compresse pas du tout la vidéo alors que Movie Maker ça compresse. Donc c'est peut-être pour ça que des fois bah, la vidéo lag un peu. Enfin, que la qualité n'est pas aussi bonne que quand juste je regarde la vidéo quand je viens juste de filmer avec le Game Capture. Simplement. Ah, et on peut foncer en appuyant sur les gâchettes derrière. Enfin, l'une des gâchettes, la gâchette droite, un R. Enfin, c'est la Wii U, donc c'est RZ ou je sais plus quoi. Bon, bah, R2, je dirais, parce que moi, à chaque fois, je comprends pas les Z là. Ah, par contre, c'est pas très beau les arbres là à côté. Ah, je trouve ça pas très beau. Ils sont à moitié coupés, c'est bizarre. Je dirais que ça a pas été fini. Ça me refroidit un peu là. Comment sont les niveaux de puissance en bot? Niveau de puissance stable. Activation de l'extracteur. Fluctuation des niveaux, réaction instable. Il vaut mieux l'éteindre en vitesse, chef. Sinon, ça risque de surchauffer. Éteins-moi ça! Oh, pourquoi vous avez arrêté, chef? C'était vraiment génial! La machine est devenue instable. On doit juste emprunter un peu d'énergie à la planète. On n'a pas envie de la détruire. Parle pour toi. Bon, bah voilà, petite cinématique encore. Les deux robots que vous avez vus, leur première apparition c'était dans Sonic Colors. Donc bon, c'est quand même assez récent. Sonic Colors 2010. Ouais.
Oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Oula, les niveaux foufou s'enchaînent là. C'est la même chose que dans le premier monde ou le deuxième. Hein. Enfin, si, là on est encore au deuxième, je crois. Enfin, au premier niveau du deuxième monde, il était pas terrible celui-là. Attends, je cours vraiment pas vite là. C'est... Ah, voilà. Ah, parce que bon, je vous ai déjà dit avant que Sonic, oui, il court moins vite dans cet épisode et. Et on peut que sprinter que quand on appuie sur l'une des gâchettes derrière. Ah non, non, parce que l'autre gâchette c'est pour faire le spin dash, donc non, j'ai rien dit. La gâchette droite. Donc voilà, je viens d'apprendre qu'on peut faire le spin dash. Intéressant, mais. Je suis tombé. Ah, par contre, on perd facilement des vies. Heureusement que les checkpoints sont là. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y avait des notes. Je sais pas, sur la version 3DS, il y a des notes. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des notes. C'est bizarre. Ah, les fameux niveaux de bouffe quand même avec les donuts. Il y en avait déjà dans Sonic Colors. D'accord. Ouais, je vais derrière. Voilà, qu'est-ce que je suis fort quand même. Ah purée, mais si à chaque fois qu'on touche ces trucs là, et ben on est à chaque fois. Alors, je pense qu'il vaut mieux faire un spin dash contre ceux-là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. J'y vais comment là? Ah d'accord. J'y vais en me faisant toucher. Vite. Bon bah j'ai pas compris comment esquiver ça mais... C'est quand même bien joli quand même là. C'est... On voit de la bouffe qui flotte. On a l'impression d'être dans le rêve d'Homer Simpson, mais bon. C'est quand même bien beau. Et ça donne faim. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Attends, la grande question, est-ce que ces trucs-là, ça tire même quand je suis devant? Aïe. Oui. En effet, ça tire, c'est pas comme dans les plantes carnivores de Mario Bros. Ouais, bon, par contre, je comprends rien, comment on esquive ça? Eh, on recommence quand même là. C'est pas... Pas tout top. Moi, je vais faire une vidéo assez longue, hein, puisque bon, puisque je veux pas vous faire beaucoup de parties. Puisque celle-là, c'est la dernière. Voilà. Vous aurez bien le droit à un peu plus longtemps qu'avant. Je dirais le double, hein, une heure. Bon, on verra. Ah, y a les animaux là-haut. Est-ce qu'on peut les avoir avec le spin dash? Ah, on peut en avoir qu'un. Ah, bon, non, c'est pourri en fait. Ah, ok, il y avait un bumper caché et c'est déjà la fin de la zone. Non mais en fait on n'est pas noté, il n'y a pas de note. Contrairement à la version 3DS, c'est peut-être un petit plus à la version 3DS. Bon, par contre, les espèces d'animaux là qu'on capture. Ouais bah je m'en fous, j'utilise pas les objets, je sais même pas ce que c'est. Attends, on utilise un pour le fun. C'est quoi les objets en fait là? Hein, sur le gamepad on peut whispédier ou jeter. Et whispédier je crois que c'est pour en emmener... Enfin, je sais plus, c'est pour en donner à d'autres joueurs je crois. De nos objets. J'aurais juste un mot à te dire. Régime et exercice. T'as fait trois mots. Ah hey oh oh. Je crois que je te dégusterai en dessert. On parle pas la bouche pleine, mon gros. C'est ça. Zut oh. J'ai oublié de mettre de la moutarde. Je reviens. Hé, hey, où est-ce que tu prends les comme ça? Ok.
faire une petite cinématique. Ah, on se fait poursuivre par une tornade, c'est sans doute lui, je sais pas. C'est peut-être le niveau qui est juste comme ça. Mais je trouve que les boss font un peu grossier hein, quand même, vous trouvez pas? Ça fait un peu cartoon pour enfants. Bon, c'est original. Là, c'est pas terrible de tomber là-dedans. On peut récupérer les petits animaux. Vite! Ah purée! La chance que j'ai eue. Ça, c'est la première apparition du double saut, hein, en fait. Je pouvais pas faire double saut, hein, dans les Sonic d'avant. Et puis clairement, je pense que je vais plus m'amuser à ce Sonic là qu'au Sonic sur. Faire quoi là? Il me dit de regarder le gamepad. Ah oui, ok. Ah, et là j'utilise le gamepad pour faire bouger le machin. Non, je veux avancer. Il faut que j'ai ce machin. Oui, voilà. Pour régénérer ma jauge de puissance, de pouvoir. Enfin, ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut les tuer ceux-là? Ah oui. C'est quand même pas mal. Ça reprend les Sonic Colors. Hein. Et je crois qu'il y a que deux pouvoirs. Je crois, un truc comme ça. Ou alors c'est deux pouvoirs en plus, je sais plus. Bon, allez, je vais remonter. Je suis les anneaux, moi, c'est mon instinct. En tant qu'instinct de hérisson anneau. En tant qu'instinct d'hérisson bleu, les anneaux, c'est la priorité. Bon, je fais ça avec mes doigts, je préfère faire ça avec le stylet. Attendez. C'est toujours mieux avec le stylet. Plus de précision, plus de fun. Et aussi pour pas que l'écran soit sale. Ah voilà, et là j'appuie sur A, je sais pas pourquoi, pour devenir en mode Sonic ça. Ah bon, on peut faire la petite roulade. Apparu dans le premier Sonic Adventure, je crois. Non, non, dans Sonic Adventure de Battle. Bon, je vais pas faire mon fan de Sonic là. On se fait poursuivre par une tornade. Pas le temps de jacasser. En tout cas, graphiquement, quand même, c'est bien sympa là. C'est un autre style des anciens Sonic. Ah. Ça fait moins réaliste, ça fait plus enfantin à la Mario Galaxy. Moi j'aime bien ça. Ça fait dessin animé tout simplement. On voit des pyramides au loin. Ah non. Heureusement qu'on peut courir sur les murs quand même. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Non! Ah bah il meurt. Ah pourtant avant j'étais complètement tombé dedans et j'ai pas perdu. Peut-être que j'avais l'impression de tomber mais je sais pas. Ouais, c'est la technique. La technique de Sonic. Ah, c'est le bouton A et le bouton B c'est pour sauter. Enfin non, il peut aussi sauter avec le bouton A mais bon. Là je préfère le bouton B, c'est plus. C'est plus accessible, je me suis encore viandé. Ah, franchement, faudrait souvent repasser les anciens niveaux hein, pour tout avoir. Ça, c'est sûr. Après, moi, je suis sûr qu'au niveau de la durée de vie, ça va pas non plus casser trois pattes à un canard. Voilà. C'est toujours ça avec les Sonic, c'est fun, c'est rapide, mais ça dure 2 secondes. Ah. Non, tant pis pour le truc. Je le récupérerai après. Mais par contre, ils sont super faciles à trouver, hein, les anneaux rouges. Parce que dans Sonic Generation, si je me souviens bien, oui, ils sont assez hard à choper. Oula, il y a notre pote gros balourd là. Qui vient de m'écraser. Ça fait un peu mal.
Ne vous inquiétez pas, hein. Je suis pas mort, quoique. Ah, je peux plus bouger. Ah oui, c'est à la... C'est à la Mario Bros 3, là, quand il y a le gros bonhomme qui saute, là, et qui fait un tremblement de terre. Et après, on peut pas bouger pendant un moment. Ah oui, bah d'accord. Ah, mais l'inertie de Sonic, encore une fois, je la trouve étrange. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça a passé la cinématique, sans doute, je sais pas. Ok, je croyais que je pouvais passer, là, mais... D'accord. Le noob! Ah, mais... Je lui saute dessus, pourtant, mais... Il faut lui sauter dessus au bon moment, quoi. Faut attendre le moment opportun, quand il va se relever. Ah, oula, ouais. C'est... Vous avez vu quand même la diversité de ses coups, hein. Ah, j'ai jamais vu ça. Le boss est incroyable. Hein. Regardez-moi ça, mais... Il a encore fait une nouvelle attaque. J'aurais peut-être dû rien dire. Parce que là, ça va être plus fun. Oui, il faut aller où? Je sais pas. Et on récupère des anneaux parce que j'étais dans la merde. Ah, ok. C'est pas mal ces petites phases de plateforme. Il va faire quoi là? Ah, il est en mode tourbillon. Ok. Donc en mode tourbillon, il faut pas lui foncer dessus. Ah, mais pourtant je vais sauter dessus. C'est ça que je comprends pas par contre. C'est. Sa hitbox est étrange. Elle est chelou. C'est un peu comme le boss d'avant en fait. Je la trouve chelou sa hitbox. En fait, j'ai l'impression qu'elle s'active. Enfin, le Friendly Fire, ça s'appelle. S'active que quand. Que quand ça fait au moins 3 secondes qu'il a plus fait son attaque, quoi. Bah, c'est plutôt easy, là. J'espère qu'il y aura un mode difficile. Parce que là, si jamais il y a 8 mondes, parce que dans la plupart des jeux comme ça, il y a souvent 8 mondes. Donc là, si on est déjà dans le deuxième monde et qu'on est à la fin, puisqu'on est contre un boss. Par contre, le boss, il est vraiment simple. Hein. Ils ont pas fait de gros efforts. D'habitude, dans les Sonic, on a droit à des boss quand même assez sympas. Mais... C'est l'heure du souper. Non seulement il a une skin qui me plaît pas trop, mais en plus, il est pas très fort. Je me suis fait avoir plusieurs fois, donc bon. Il vaut mieux en rester là. J'affine vos capacités, je vous équipe des robots les plus puissants que j'ai jamais créés, je vais même jusqu'à vous donner un sandwich gigantesque, et pourtant, vous me décevez. Je sais faire preuve de compassion. Ce truc ne me dit rien qui vaille. Attends une seconde. Sonic, je crois que l'arme qu'utilise Eggman... Tu vas devoir faire sans coquillage. Quelle grossière erreur. Ça m'étonnerait. Depuis quand c'est une erreur de te confisquer tes jouets? Eh bien, depuis que c'est le seul truc qui empêche six étiers en pétard de prendre le contrôle de mes robots, espèce de hérisson sans cervelle. Attaquez les frères, et cet idiot paye pour nous avoir réduits en esclavage.
de se filer à l'anglaise, Tails. Mais j'ai pas envie que tu te fasses griller. Ouais, ce serait bien si on pouvait éviter ça. Arbot, Cubot, on fiche le camp. Oh, c'est pas vrai. J'aurais vraiment dû t'écouter, Tails. Non, sans blague. Ah, c'est comme ça que Dr. Eggman va s'allier avec Sonic. Bon, on fait le truc bonus ou on continue? Bon, moi je préfère continuer que de faire directement le truc bonus. Ah, et aussi, j'ai. Ouais, ça me dit qu'il y a des trucs à deux joueurs. Là. Donc, dans la vidéo test, ou je sais pas, on fera peut-être une vidéo pour le fun comme ça à deux joueurs avec Fireflam. Mince. J'ai encore eu. Non. Ah, mais il m'oblige à me débarrasser d'un objet, c'est con. Je peux rien faire. Bah oui, allez, voilà. Là, ça doit être le troisième monde. Attends, qu'est-ce qu'il y a, paramètres? Univers, whisky, ouais, ok. Et il y a coop. Hey, attends. Ah, on peut jouer à deux? Je comprends pas en fait. Reçoit un véhicule RC de la Nintendo 3DS. Ah oui, ok, on peut jouer. Ah, on peut jouer en coop aussi. Ah, c'est que du bon ce jeu. On peut jouer en coop, je savais même pas. Après, je sais pas si c'est bien, je sais pas. J'espère que c'est deux Sonic qu'on peut contrôler. Hein. Et non pas, je sais pas, un autre qui a une espèce d'hélicoptère bizarre comme là. Voilà, il m'a l'air quand même assez beau ce niveau. Je vais dans le sol, on va voir ce qui se passe en 3D. Oula. Que se passe-t-il? Allez, d'accord. Carrément sous la flotte. Ah, et on le fait sauter. C'est assez bizarre. C'est plutôt bien fait, c'est rythmé. Ah, il y a des vies, il y a des vies. Ah, d'accord. Il y a des vies. Ok. Ah, les grands sauts comme ça, ça fait vraiment penser à, non, à un jeu de Sonic là sur sur tablette là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bah, Sonic tablette. Ah, là, on fait déplacer ce gros truc là. Allez, on peut pas aller sur les geysers. Je sais pas ce que c'est, Lévi, hein. Avec ce truc. Il va bientôt exploser, il va bientôt exploser. Ah non, en fait, ça nous fait rien, en fait, quand il explose, c'est bon. Bon, bah, on va se faire les ennemis. Oh, oh, le coq. C'est un ennemi repris, purée, c'est un ennemi qu'on voit presque jamais. C'est un ennemi repris de Sonic the Hedgehog 2. Ça fait drôle. Que je l'avais fait il y a pas longtemps, c'est pour ça. Sur émulateur, bien sûr. J'avais pas de Mega Drive, moi. Et ça fait drôle de voir cet ennemi, hein, pour les nostalgiques. Ah bon, moi, ça fait plaisir que le jeu soit fluide. Parce que bon, j'allais aussi vous faire. Bon, j'ai aussi Assassin's Creed 3 sur Wii U, mais bon, on l'a déjà fait sur PS3, donc je vois pas trop l'intérêt. Il y a aussi, Splinter Cell, le nouveau Splinter Cell Black Seas. Enfin, nouveau, maintenant ça fait un an qu'il est sorti et tout. Et bah, moi qui a vraiment aimé les Splinter Cell à l'ancienne avant, là, sur GameCube, bah, celui-là, franchement, bah, pour l'instant, je le trouve vraiment bon. Mais le problème, c'est le framerate. J'ai remarqué qu'il ramait. Le jeu n'est pas très fluide. On est dans les 30 FPS, ou des fois, ça baisse un peu. Donc,
pas terrible. Mais bon, graphiquement, franchement, c'est du lourd. Le jeu est beau. Ah bon, moi j'achète que des jeux beaux sur Wii U, hein. Je vais pas acheter de la merde. Vous voyez, Wonderful, je sais pas quoi, je pense pas que je vais l'acheter. Celui que j'ai fait dans la vidéo découverte. Oula, là c'est. C'est étrange, c'est chelou. Mais bon, j'aime bien les anneaux, donc je continue. Là, c'est vraiment la style Mario Galaxy. J'ai bien aimé le style de Mario Galaxy, même si j'ai préféré Mario Sunshine. Je sais pas ce que c'est, ces tonneaux. Bon bah là je libère des papillons. Et à quoi ça sert? J'en sais rien. Peut-être à faire pousser ça. Ah bah une. J'aurais dû le savoir quand même. Allez, on est sur des nuages et on saute. Ouais, il saute un peu haut là, Sonic. Il saute un peu haut, oui. En effet. En appuyant sur A, en même temps qu'on retombe sur le nuage, bien sûr, on saute plus haut. On fait un saut de psychopathe. Ah, mais il saute vraiment haut sur ces nuages là, c'est pas logique. Ah, et puis je peux détruire les ennemis juste en tombant comme ça. Non! Je n'aime pas ça! Encore la défaite. Heureusement, franchement, qu'il y a des checkpoints à chaque fois, hein, parce que bon... Je ferais vraiment n'importe quoi des fois, parce que pourtant, c'est pas un jeu difficile. Ah, le fond, là, je suis sûr que... Le fond, là, qui est un peu flouté, là, en fond, là, le... Juste le décor, l'arrière-plan, là, en bas, où on voit l'espèce de planète. Je suis sûr que sur 3DS, ça aurait été... hyper flou et pixelisé. C'est ça l'avantage sur Wii U, c'est que bah c'est quand même assez net. Il y a la HD quoi. Et un jeu de 3DS où ils mettent de la HD, c'est. Enfin où... qui est repris d'un jeu HD, c'est... ça fait bizarre. Donc, ils exagèrent avec les villes. Il y en a partout. Ah, je comprends pourquoi il y en a partout. Voilà. Encore, vous avez vu mon niveau, c'est incroyable. Ouais, pourtant, je suis plutôt doué dans les jeux de plateforme. Je comprends pas. Ah, mais c'est toujours la première fois dans les Sonic, on est un peu paumé. C'est ça qui fait la force des Sonic. Souvent, c'est en le refaisant une deuxième fois où c'est encore plus amusant. Que la première fois, et pour certains carrément c'est les Sonic, c'est des jeux pourris. Il y en a pour tous les styles, hein. Comme moi par exemple, Rayman Origins, pour moi c'est pas un jeu légendaire. Il y en a plein qui disent que c'est un jeu incroyable, mais enfin voilà quoi. Il est bien à plusieurs joueurs, mais bon, à un on s'emmerde un peu. C'est pour ça qu'en fait j'ai toujours avancé mais avec un pote dans ce jeu là. Presque toujours. Ah, vous pouvez bien le faire à un joueur hein, si vous voulez. Bon, c'est un peu saoulant. Moi je vais me faire ses ennemis, hein, on va gagner des lapins, c'est toujours cette prix. J'en ai 46 dans ce niveau. Oula, j'ai fait. Ah, il va. Ah, bien sûr, l'espèce de chute de Sonic. Qui fait une espèce d'atterrissage en douceur. Tout en souplesse avec Sonic. Hélas, pauvre Cubot, mon ami de longue date. Arr, bien joué, j'ai la puce vocale toute déglinguée. À cause de Sonic, c'est tout qui est complètement déglingué. Ma conque cacophonique était le seul truc qui pouvait garder ces fous furieux sous contrôle. Il s'agit d'une sorte d'inhibiteur naturel de leur pouvoir. C'est très douloureux. Et surtout très rare.
Les Yeti ont l'aptitude innée de manipuler les champs magnétiques, les objets électroniques, ainsi que les robots. Il leur faut faire tout ce qu'ils veulent. Je contrôlais ses pouvoirs avec la conque, jusqu'à ce que Sonic s'en débarrasse avec sa stupidité légendaire. Hé, boucle-la un peu, Eggman. Tu verras, on va reprendre les choses en main à notre façon. J'espère que les Yeti ne feront qu'une bouchée de toi, seul fouineur de hérisson. D'accord. Si la cour me le permet, que tous ceux qui pensent qu'Eggman n'est qu'un crétin sans rien dans le ciboulot lèvent la main. Eh bien, voilà, les amis. Le décret a été voté à l'unanimité. Moi, j'ai pas le droit. Et voilà, bon moi je pense que ça va être le dernier niveau qu'on va faire ensemble. Ah, il y a de nouvelles étapes pour les deux joueurs. Parce que bon, on n'a pas trop le temps. J'ai l'impression que les jours paisibles consacrés au jardinage vont devoir attendre, étant donné que je vais devoir me charger de tout le travail à votre place. Je vous en prie, maître Izzy, que vous ne devriez pas vous occuper d'une chose pareille. Vous valez mieux que ça. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Ça me fera du bien de dérouiller un peu mes vieux sauts. Attention, un nouvel ennemi. Alors, un ennemi qui me fait penser un peu à la classe, à la Firefly. Merde. Ouais, y a pas autant la classe que Cranky Kong. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore un niveau franchement de toute beauté. Là. On voit vraiment que la distance d'affichage est pas mal. D'accord, je sais pas, les chenilles, je comprends jamais rien avec les chenilles. Des fois, elles me touchent et des fois non. C'est comme dans les tout premiers Sonic the Hedgehog, c'était pareil. Bon, d'accord. Il y a une one-up au-dessus. Il y a une one-up au-dessus. Il faut récupérer la one-up. Ah bah je peux pas. C'est trop loin pour moi. Mais bon, on en a assez vu des one-up. Ah tiens, bah y a encore le pouvoir pour forer. Je crois qu'il y a que deux pouvoirs. Et puis les pouvoirs sont inédits sur sur la version la version Wii U et à la version 3DS. Ah, et là je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, et là j'ai la fusée. C'est pas le truc pour forer, c'est la fusée. C'était pas la foreuse. Le petit poulet. Bon bah je suis perdu. Perdu dans Sony. Y'a pas une map ou un truc comme ça. Non, faut tuer tous les ennemis, hein, tous les poulets. Ah, mais on peut pas les tuer. On ne peut pas les tuer, mais comment ça se fait? Peut-être en faisant une petite roulade. D'accord, complètement buggé. Je sais pas, il y a un ananas qui s'enfuit. C'est totalement logique. Je crois qu'il faut que Sonic mange l'ananas. Purée, il va trop vite, l'ananas. L'ananas s'enfuit là. Ah voilà. Ah d'accord. Ça servait à se faire toucher, c'est très. Ah non, je crois qu'il faut l'emmener vers les poulets. Ah et voilà, c'est ça, faut l'emmener vers les poulets. Bah pour tous les tuer. Et c'est comme ça qu'on pourra aller je sais pas où débloquer un truc. Donc là, je pense que je les ai tous eus. Non, il en reste pas un, il en reste pas un. Il en reste zéro. Ah si, il y en a peut-être un devant. Non, il n'y a rien. Bon, bah, je crois que maintenant, faut le faire tomber dans la foreuse, là. Voilà ça. L'hélice. Ah, mais j'arrive pas.
C'est quoi cette ananas de merde? Voilà, il me semble content. Ah, mais en fait, il n'y avait pas besoin de tuer les ennemis, il y avait juste à faire ça. C'est n'importe quoi. S'il y avait une note là, j'aurais peut-être eu. Oula! Ah, maintenant, c'est des poulets. Ah, c'est pas les trucs qui indiquent nord et est. Nord, sud. Ah, ouais. On prend les noix. Voilà, un petit anneau, comme ça je suis sauvé. Bon bah, pour l'instant ça peut aller ce niveau, hein. J'ai pas perdu de vie, c'est incroyable. Oula, il m'emmène direct sur le palmier. Bon d'accord, c'est vraiment saoulant ces poulets. Ah, et maintenant c'est une pastèque qui me suit et qui bondit. C'est très logique. Allez. Les développeurs, ils ont beaucoup pensé à la bouffe hein, dans ce Sonic. Je rêve où il y a Dr. Eggman qui vient de parler ou un truc comme ça. Je sais pas, j'entends tellement mal. Mais ils sont vraiment bas là pour pas avoir un. Enfin, vous savez. Faut pas que la caméra prenne le son sur tout ça. Enfin, le micro. Allez, viens vers moi. Viens à moi, oui. Et voilà, on va vers l'inconnu. Ah, il y a eu un checkpoint. Il y a quand même beaucoup d'ennemis hein, sur l'écran. Ah oui, et à chaque fois qu'on les tue, ils balancent des boules, non? Ah non, c'est ça. C'est des espèces de canons. Ah, il y a bien quelqu'un qui parle. Mais j'ai mis le son tellement bas, voilà. Enfin, j'entendrai ça dans le montage. Non, sérieusement, faire quoi? Faut encore trouver un fruit ou détruire ces machins là même si on peut pas. Ah d'accord. Ah il fallait tous des. Ah purée. Ah ça c'est vraiment du copier-coller à la Mario style. À la Mario Galaxy style. C'est vraiment ça. Ah et puis là je bouge le gamepad comme à ma boule pour voilà. Pour bien viser. On ressent toute la sensation dans ce tir. Ah. Et on va affronter Nunchaku Man. Ah là, Nunchaku Man. Avec sa pomme et. Ok, c'est boule en pique. Alors, on peut pas le toucher comme ça. Je suis carrément passé au travers de la pomme, c'est magnifique. Non mais en fait on peut pas l'avoir, on peut pas l'atteindre. Il faut aller quelque part. Ah je sais. Il faut l'attirer par là. S'il vient, je sais pas s'il vient. Ah bah enfin un boss qui est un peu plus dur. Bah va par là, hein, puisque t'es con. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pas? Tu viens Ah purée. Ah ok, bah, au moins un boss un peu plus original. Enfin. Ah, je l'ai encore touché. Petit anneau. Ils sont vraiment sympas avec les anneaux quand même. Ouais, je prends 10 anneaux. Normal. Ah, il est plus avec sa pomme là, c'est notre chance. Bon bah on vient de le battre. L'élève a surpassé le maître, je crois ce qu'il est. Je crois que c'est ce qu'il a dit, mais bon. Je suis pas trop son élève. Un autre niveau, j'ai vraiment envie de continuer, mais.
On va regarder, sinon par contre, j'ai vu dans la démo de Sonic Lost World sur 3DS qu'on pouvait créer des choses là avec Tails. Enfin, il avait son atelier là. Est-ce qu'il y a ça là? Ah purée, encore un objet. Ça commence à me saouler. Je sais pas, il n'y a pas de Tails. Bon, on va se faire un petit niveau bonus à la fin. Ah, il y a Tails avec moi. Alors là, je me concentre un peu. On aurait mieux sauver pas mal de petits animaux. Et puis il y a Tails en même temps. C'est hard d'avoir Tails en même temps. D'accord. Bon, c'était pas terrible. 189. Bon, c'est déjà ça. Vous voyez, je suis déjà 1192. Ah, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que je me suis coupé avant. Je voulais dire que. Les animaux, c'est un peu comme les étoiles dans Super Mario Galaxy, les fragments d'étoiles. C'est un peu, comment dire, c'est un peu inutile parce qu'en fait on en a tellement que des fois ils nous demandent d'avoir pas mal de fragments d'étoiles pour débloquer des niveaux. Comme là par exemple 1000 animaux, mais on les débloque toujours hein, en faisant les niveaux d'avant. On en a toujours assez, sauf si vraiment on fait exprès de pas en prendre. Donc bon, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans ce jeu-là pour le vidéo test.